Monsieur M. Cyprien Ah. Olinga, d'après Ongen, tout va bien. On a des droits au pays et le gouvernement veille à ce que nos droits soient respectés, nous les consommateurs. Des mesures sont prises pour que j'ai plus faim, pourtant j'ai faim, pour que j'ai de l'électricité tous les jours, à tout moment, mais les coupures ne me laissent pas. On est obligé de chercher la bille qu'on n'a pas besoin de repasser quand même pour sortir et être beau, comme vous dites. Et je peux vous rassurer que si ce n'était pas ça, c'est qu'aujourd'hui, ça allait être très compliqué. Moi, j'ai perdu mon générateur ici, mon groupe électrogène, à une fautive et à cause des coupures. Du coup, j'ai même besoin d'un don. Donc, si vous pouvez même venir avec un groupe électrogène de grosse capacité pour nous aider, je vais vous embrasser à Mondovision pour vous dire merci. Donc, vous comprenez que peut-être d'autres ne se ressentent pas totalement dans ce qui est fait. Peut-être qu'il faut encore bien faire pour qu'on le ressente. Je ne sais pas pour vous, Président, si c'est. Vous voyez comme Monsieur Onguéné, vous voyez que ça avance quand même, mais qu'il y a juste des petites choses à rectifier encore. Vous savez, Madame Guesselet, je pense que il est très difficile hein, de vendre les œufs pourris dans un marché. Il est très difficile de vendre les œufs pourris dans un marché parce que vous aurez trompé les premiers clients, mais lorsqu'ils vont s'apercevoir, arriver à la maison, que vous leur aviez vendu des œufs pourris, personne ne viendra plus acheter. Monsieur Nguyen a fait une litanie, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, pendant que la réalité, elle est là. Parce que ce n'est pas. Monsieur Nguyen, ne pensez pas que vous venez ici informer les Camerounais sur ce qu'ils vivent au quotidien. Ils vivent la réalité. Ce n'est pas le fait de dire vraiment, il y a inflation, faire de beaux gestes, avoir de bonnes formules, que vous allez les convaincre et qu'ils vivent les réalités. Et je vous dis, même chez moi là-bas, dans mon quartier, on a passé 48 heures sans électricité récemment, je crois il y a 72 heures. Il y a des coupures intempestives. Aujourd'hui, on a même tendance à croire que, voyez-vous, dans mon quartier là-bas, lorsque les nuages, on commence à percevoir les nuages. Tout le monde a peur parce qu'il suffit que le tonnerre gronde deux fois pour que le courant s'en aille et revienne 24-48 heures après. Donc, Enéo maintenant aussi tient compte justement du fait que quand il commence à pleuvoir, tout de suite, la lumière s'en va. Les Camerounais le vivent au quotidien, y compris moi. Nous avons des problèmes d'eau. C'est une réalité. La vie chère, vraiment, monsieur Onguéné, c'est une réalité. C'est une réalité que les gens vivent. Et donc, vous, ce n'est pas vos belles formules qui vont les rassurer que le gouvernement fait ci ou ça. Ils veulent ressentir cela. Et moi, dès que je l'ai dit, je suis même très inquiet parce que lorsque M. Nguyen veut nous faire croire que le président de la République, qui a peut-être travaillé, peut-être qu'il a travaillé en son temps, ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir et que c'est en 2035 que nous aurons l'émergence, alors que c'est lui qui est là depuis 42 ans comme président de la République, qui a même été là depuis, on peut même dire depuis plus d'une cinquantaine d'années, parce qu'il était premier ministre pendant 7 ans. Alors je commence à me demander si pour atteindre l'émergence, il faudra un siècle. Si Monsieur Nguyen, la jeunesse du Sud, et je suis sûr que la jeunesse du Sud n'a jamais dit ce que Monsieur Nguyen vient de dire. Il faut absolument que M. Paul Biya se représente pour nous amener à l'émergence en 2035. Ça, c'est de l'esbroufe, c'est de l'escroquerie. Et ce n'est même pas réaliste. Aujourd'hui, les Camerounais ne veulent plus les discours, ils veulent les actions. Quand on est au pouvoir, on ne promet pas, on agit. Parce qu'on a les leviers du pouvoir, on a les ressources de l'État qu'on gère. On n'a plus à. C'est quand on est dans l'opposition comme nous. Qu'on dit on va faire, si vous nous faites confiance. C'est quand on a le pouvoir, on agit, on investit, on suit les politiques publiques, on suit les projets qu'on a implémentés. On a l'impression aujourd'hui que votre champion que vous appelez à vous, à se représenter en 2025, n'est plus avec vous. Il ne suit aucun projet. Les projets même qui sont exécutés sont mal exécutés. Certains ne sont même pas exécutés du tout. Et quand bien même certains sont exécutés, c'est au rabais. Avec tout ce que ça comporte comme scandale, CanGate, Olembe Gate, Covid. le Covid Gate et tout ça, il ne fait rien pour voir clair. Un bon chef,
un bon chef fixe le cap, les orientations, donne les moyens. Et vous avez l'impression que le cap n'est pas fixé? Non, pas du tout. Et quand il a fixé le cap, alors il veille à l'exécution. Il se rassure qu'il y a exécution. Et quand il y a exécution, il vient maintenant, effectivement, dans le cadre de ce qu'on appelle aussi en management, le suivi évaluation, et puis l'ascension. Mais tous les 31 décembre, il fait pourtant un bilan. Mais le bilan, c'est même pas de venir à la télé nous dire... Oui, mais quand vous dites qu'il ne suit pas, comment arrive-t-il à faire le bilan des... Donc, on doit attendre les 31... C'est au quotidien. C'est le moment de communiquer, C'est au quotidien qu'on applique les politiques publiques. Mais si aujourd'hui, pendant qu'on parle d'inflation, votre champion attend le 31 décembre pour venir nous dire que vraiment, il y a inflation. Il agit tous les jours, mais il communique avec les Camerounais. Je vous ai écouté, laissez-moi, vous êtes en train de vouloir perturber. Non, je vous ai écouté attentivement. Je vous ai écouté. Soyez poli comme je l'ai été avec vous. Mais ne dites pas des contre-vérités. Non, mais je peux faire ce que vous faites. Ne dites pas des contre-vérités. Non. Cela n'arrange personne. C'est vous qui dites des contre-vérités, cher monsieur. C'est vous qui passez des messages qui n'ont rien à voir avec la réalité que nous vivons au quotidien. Les Camerounais font l'émergence à 2035, font confiance au président. Le président sera là en 2035 pour lui demander, pour faire l'évaluation avec lui, il sera en 2030. Même nous-mêmes qui sommes assis là, nous serons là en 2030. Le général de Gaulle est encore en France. On parle de la vision légendaire d'un homme. Monsieur, ce n'est pas de vision légendaire d'un homme dont un peuple a besoin. Le peuple a besoin des politiques publiques qui lui donnent de l'eau potable, qui lui donnent de l'électricité, qui lui facilitent la vie. Ce n'est pas de la vision légendaire qui aboutit à ce qu'on voit là. Donc, moi, je n'ai pas en répétant. Non, monsieur, je n'ai pas en répétant des contre-vérités que ces contre-vérités deviendront des vérités. C'est vous qui savez ce qu'on mettait dans votre vérité. Nous avons des travaux en cours pour approvisionner les villes et en cours. Voilà, vous avez des travaux en cours. Le papier, c'est là, le papier, c'est en cours. Depuis quand ça? Mais le papier, c'est en cours. Depuis quand? Le projet a commencé quand? Mais vous n'êtes pas technicien. Mais le projet, il a commencé quand, cher monsieur? Peu importe, je vous dis, les travaux sont en cours. Laissez-moi donc. La livraison de cette. Laissez-moi dérouler mon argumentaire, souffrez que je puisse finir comme je vous ai supporté. Mais cet argumentaire n'arrange pas les populations. Vous parlez à la place des populations. Mais bien sûr, on dit bien la vérité. Bon, monsieur Ngueni, on va lui permettre d'aller jusqu'au bout pour qu'on puisse avancer. Hein. S'il dit des contre-vérités, vous aurez l'occasion de venir rectifier quand vous aurez la parole. Allez-y, président. Bon, j'ai envie de gouverner ce pays et je refuse que les gens du RDPC viennent à chaque fois sur des plateaux nous dire le président. Je suis sûr que même le président de la République est gêné quand il voit un jeune comme Ngueni tenir ce genre de propos. C'est-à-dire que vous avez un patriarche qui a suffisamment travaillé depuis une soixantaine d'années de haute administration, qui mérite aujourd'hui d'être au repos et d'être un grand conseiller pour notre génération. Et il voit un jeune qui vient s'asseoir pour dire que c'est lui le patriarche qui doit encore continuer à être là. Moi, je serai président en 2025. Je veux être président en 2025. Et alors, arrêtez de nous montrer votre vision légendaire de 2035 qui ne se traduit concrètement en rien dans notre vécu au quotidien. Nous voyons la souffrance. Nous voyons la souffrance des populations. Et vous leur promettez le paradis en 2035 en sachant pertinemment qu'en 2035, celui que vous présentez là, qui a une vision légendaire, ne sera même pas là pour lui poser la question. C'est vous. Pendant 50 ans alors, qui nous aviez proposé votre vision légendaire qu'on sera émergent. Nous voici en 2035, est-ce qu'il y a émergent? Vous savez qu'il ne sera pas là. Vous savez que même nous-mêmes qui sommes assis là, beaucoup d'entre nous ne seront pas là. Qui sera donc comptable de votre fameuse vision légendaire? Cher monsieur, nous sommes là, il faut dire aux Camerounais ce qu'il y a. Et ce qu'il y a effectivement, chère Madame Guisselet, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de consommateur au Cameroun. On a l'impression que nous sommes des esclaves, que ceux qui nous fournissent quelquefois le service public pensent que c'est un don, c'est par magnanimité qu'ils nous offrent ce service public, alors que nous avons droit, le citoyen a droit au service public. Maintenant, sur le plan commercial, vous avez bien décrit la réalité. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand nous parlons ici, nous ne parlons pas pour nous-mêmes, ou alors pour intéresser ceux qui... Moi, encore que lui, on l'envoie, moi je ne viens pas, personne ne m'envoie, moi je dis ce qui est, je suis le patron. Vous êtes des communicants, vous venez dire ce qu'on vous dit, on vous demande de venir dire. Alors, il faut faire attention
nous avons le peuple suffisant. Il n'y a pas de droit de consommateur qui soit appliqué au Cameroun. En réalité, la journée du consommateur peut se célébrer ailleurs, mais pas chez nous. Nous n'avons droit à rien, même pas à la simple liberté. Or là, monsieur, cessez de nous présenter vos histoires d'horizon 2035, sachant pertinemment que personne ne sera là pour être évalué par rapport à sa légion légendaire. Nous disons au président de la République, et nous autres, nous lui tenons le vrai message. Monsieur le président, vous avez travaillé, ça c'est vrai. On ne peut pas dire que vous n'avez rien fait. Mais nous pensons là, que là où nous sommes là, nous pouvons faire mieux. Nous voulons vous avoir comme un grand patriarche conseiller assis en vos mecs. Et nous allons faire mieux. Nous viendrons de temps en temps vous consulter en tant que patriarche, quelqu'un qui est petit d'expérience, pour vous présenter un certain nombre de sujets parfois délicats, pour vous dire, vous qui avez cette longue expérience, comment on peut gérer ce genre de dossier, vous allez nous aider. Mais à la tête de l'État, vraiment et franchement, au regard de la situation que nous vivons, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible pour vous.